m'appelle Ornella Boteac, je suis la femme d'Éric Boteac. J'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants, deux petits garçons de 7 ans et 4 ans. Et je me suis récemment expatriée en Australie. On était au LOSC. Alors j'ai beaucoup d'attaches sur cette ville, j'ai adoré cette ville. Ce qui me manque le plus, c'est la ville en elle-même qui est très très belle et surtout les amis que je m'y suis fait. Alors l'Australie, ça c'est vraiment arrivé par hasard, c'est vraiment une destination à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je ne pensais pas que le foot allait me faire traverser le monde. C'est arrivé à une période où Eric vivait des moments difficiles au LOSC et du coup on en a beaucoup parlé entre nous déjà tous les deux. On en a beaucoup parlé avec nos familles respectives aussi, puisque c'est une décision qu'on ne prend pas à la légère de prendre ses enfants sous le bras, les valises et partir à l'autre bout du monde. Mais on s'est dit que c'était une occasion inespérée, une chance pour nous et pour nos enfants de découvrir un pays comme l'Australie. C'est vraiment quelque chose qui ne se représentera pas deux fois, donc on a décidé de saisir l'opportunité et de partir. Alors le déménagement, déjà que c'est une période pas facile quand on déménage de France, enfin d'une ville à une autre en France. Mais là, quand on prépare un déménagement pour partir à l'autre bout du monde, c'est assez compliqué. Donc ça a pris à peu près deux mois et demi. Donc Eric, lui, est parti avant pour repérer les lieux, être accueilli dans son nouveau club, trouver la maison sur place et la meubler. Et moi, en fait, j'ai fait toutes les démarches au niveau de la France, donc pour rendre mon logement, avertir les écoles, etc. Dire au revoir aussi à la famille, enfin, toutes les petits aléas qu'on a à gérer, sauf que là, ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, ça s'organise. Mais bon, j'ai eu l'aide de l'agence 3S qui m'a beaucoup épaulée, ainsi que mes amis, ma famille. Donc ça a été une période un petit peu compliquée, mais qu'on a eu, on a très bien géré. Moi, personnellement, j'ai pas eu de difficulté parce que je parlais déjà anglais, ce qui n'a pas été le cas pour Eric, puisque lui ne parlait pas un mot d'anglais en arrivant. Donc il a été accueilli sur place, déjà par le club, mais aussi par un joueur français qui est né là-bas depuis quelques années. Donc il a beaucoup aidé sur toutes les démarches administratives, pour le logement, l'ouverture de compte, etc. Après les écoles, moi je m'en suis occupée quand je suis arrivée. Il a fait les premières démarches, mais bon, ne parlant pas trop anglais, c'était compliqué. Donc j'ai pu gérer à distance. On n'a pas eu trop de difficultés, on a été très bien accueillis, les gens ont été top, enfin, ça, y a eu aucun souci de ce côté-là. J'avais dans l'idée de trouver un petit job pour perfectionner mon anglais, et en fait j'ai une occasion qui s'est présentée tout de suite. J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était basé sur Brisbane, une Française qui était basée sur Brisbane depuis 6 ans, et, qui a un café dans lequel elle fait de la nourriture, elle sert du café, etc. C'est quelque chose qu'on a très peu en France, mais qui est très développé là-bas. Et je lui ai parlé donc mon projet personnel, moi, au travers de la nutrition. Et en fait, elle voulait développer l'axe sans gluten, vegan, végétarien. Donc je lui ai parlé de mon projet et on a décidé ensemble, en fait, de développer cet axe-là sur son café. Et elle m'a laissé carte blanche. Alors on a eu un très bon accueil. Il faut dire déjà que l'Australie en elle-même, les personnes ont une vision de la vie qui est complètement différente de la nôtre. Ils sont prêts à accueillir et aider les gens vraiment naturellement, spontanément, donc ça n'a pas été un problème. En fait, il n'y a pas vraiment de cellule puisque, comme je disais précédemment, c'est quelque chose qui se fait spontanément et naturellement là-bas en Australie. Donc non, par rapport au club, il n'y a pas de structure professionnelle. Alors nous, on a été orientés vers le quartier de New Farm, qui est un quartier très familial, se faire à pied, donc on a tout à proximité, que ce soit les écoles, on a un très grand parc, les accès au niveau par exemple des bus, des voitures, enfin tous les transports en commun sont à proximité, on peut même prendre le bateau, enfin c'est vraiment un quartier hyper agréable où tout est fait pour qu'on se sente bien, donc c'est vraiment un quartier que je recommande. Sur certaines choses, ça va être plus cher, comme par exemple les produits qu'on n'a pas en Australie, qui sont importés, comme les produits français, par exemple. Après, pour le reste, c'est à peu près équivalent, puisque comme je disais, il ne faut pas faire la conversion de dollars à euros, puisque ça n'a pas vraiment de valeur. Mais j'ai trouvé que c'était quand même assez équivalent. Alors l'Australie, c'est un pays qui est très ouvert, donc c'est très cosmopolite. Il y a vraiment des gens qui viennent de partout, de tous les pays.
Et c'est très très enrichissant aussi bien pour nous que pour les enfants de rencontrer des pays, des personnes qui viennent de tous les pays. Donc c'était culturellement, ils n'ont pas vraiment d'histoire comme nous on peut avoir au niveau de la France, mais ils ont une richesse culturelle humaine qui est exceptionnelle. Alors s'il y a bien quelque chose qui est génial là-bas, c'est ça, ce sentiment de sécurité du moment où on arrive sur ce territoire. On se sent bien. On laisse de côté les doudounes, c'est plutôt t-shirt, short toute l'année que manteau de fourrure et bottes. L'Australie, c'est un pays très contradictoire sur beaucoup de choses, ben, notamment sur tout ce qui est environnemental et écologique. Parce que, par exemple, quand je suis arrivée, donc il y a un an et demi, quand on allait au supermarché faire ses courses, il y avait encore des sacs en plastique. Chose qui, nous, n'existe plus depuis très longtemps. Et à côté de ça, ils sont très respectueux de l'environnement, très attachés à leur faune, à leur flore. Donc, c'est un petit peu... c'est contradictoire. Au niveau de la richesse culturelle gastronomique, c'est pas la gastronomie comme nous on l'entend, mais on va vraiment avoir... si tu vas aller manger indien, bah, tu vas manger chez un vrai indien. Si tu vas manger du thaï, tu vas manger chez un vrai thaï. Pour moi, les trois lieux incontournables de Brisbane, c'est en premier, c'est South Bank. Donc South Bank, c'est une plage artificielle en plein cœur de la ville, avec accès direct à la ville qui est juste en face, en fait, qui est séparée par un pont. Donc on peut y accéder en bateau, il y a des aires de barbecue, on peut faire son barbecue au bord de l'eau, enfin, c'est vraiment un lieu magique. Le deuxième, ça serait le parc de New Farm où on habitait vraiment à deux pas, et c'est pareil, il y a des aires de barbecue, une énorme aire de jeu pour les enfants, et un espace vert immense où on peut faire des anniversaires, des brunchs, enfin tout ce qu'on souhaite. Et juste à côté, il y a un marché aussi qui est tous les samedis où il y a des food trucks, on peut aller se fournir en fruits et légumes, il y a des petits artisans, donc c'est vraiment pareil, un incontournable. Et le troisième, c'est plutôt, je pense à Riverside, qui est un endroit plutôt à voir de nuit, où c'est des restaurants avec vue sur la rivière, des endroits un peu plus branchés pour sortir entre amis. C'est un super endroit. J'ai eu la chance de ne pas avoir besoin de consulter trop de professionnels de santé. Par contre, mon fils a un souci de santé, donc on a dû faire appel à un néphrologue, donc qui est quand même un médecin vraiment très spécifique. Et il n'y a eu aucun souci, les hôpitaux sont parfaits. Il y a un hôpital spécialisé pour les enfants par exemple, donc au niveau de la santé ils sont à la pointe, ils sont au top, et c'est assez facile, ils mettent en place des interprètes si on a besoin, donc à ce niveau là franchement il n'y a pas du tout de souci à se faire. Oui, ça dépend de combien de temps on reste, ça dépend le visa qu'on a aussi. Par rapport à la sécurité sociale, si on n'est pas résident du pays, on ne l'a pas. Donc il faut prendre des assurances privées qui coûtent quand même assez cher. On peut le faire depuis la France, on peut le faire là-bas. Donc pour ça, il y a un accompagnement et il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par rapport au permis, par exemple, il faut se déplacer. C'est comme une sorte de préfecture et ça se paye toutes les années. Et on a un permis australien avec notre permis français ou un permis international. Ça fonctionne aussi. D'esprit, la qualité de vie et le bien-être. Alors j'ai pu constater qu'au niveau de l'enseignement pour mes enfants, c'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on a en France. C'est très différent, c'est une manière vraiment différente. Je dis pas que c'est moins bien, c'est juste une approche différente. Il y a des points positifs et des points négatifs dans leur approche, mais c'est pas quelque chose que j'aurais aimé continuer dans le futur. Bah, la sécurité sociale, donc la couverture sociale au niveau de la santé si on n'est pas résident, et peut-être la difficulté à obtenir un visa permanent. En premier lieu, il y a l'Alliance française de Brisbane, donc qui permet de mettre en relation les Français qui arrivent à Brisbane. Ensuite, le plus simple, c'est quand même les groupes Facebook, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent en Australie, donc aussi bien à Brisbane que dans les autres villes, donc pour demander des conseils, des trucs, astuces, les gens sont assez réactifs, donc c'est parfait. Et après, il y a l'association des femmes d'eux, qui, bon, peu importe où on va être, du coup, vu que c'est en ligne, est assez réactive aussi, on trouve pas mal de bons plans et de trucs et astuces aussi. Que du positif, ça a été une aventure exceptionnelle, extraordinaire, qui nous a permis de découvrir un lieu qu'on n'aurait jamais découvert. C'est vraiment, j'ai du mal à trouver des mots pour exprimer ce qu'on a vécu.
aussi bien pour nous personnellement, ça nous a enrichi humainement, professionnellement pour ma part, au niveau de ce que ça peut apporter comme richesse à mes enfants, c'est incomparable et ça n'a pas de prix. Donc si un jour, moi, c'est un conseil que je peux donner, si vous avez la chance de vous expatrier, faites-le parce que voilà, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde de pouvoir voyager avec sa famille, avec ses enfants, d'être pris en charge de A à Z et d'arriver dans un pays avec tout. Donc c'est vraiment quelque chose que je conseille, le voyage et l'expatriation, vraiment le tenter. Alors la première des choses, c'est de préparer son déménagement à l'avance. Parce que par exemple, nous qui n'avons déménagé aucun meuble, juste nos affaires perso, ça a mis à peu près un mois à arriver. La deuxième des choses, c'est de confier à une agence tout ce qui est lié au départ de la France, parce que c'est la partie administrative, c'est ce qui est la plus pénible, et si on peut s'en détacher et laisser ça à une agence, comme moi je l'ai fait avec 3S, ça soulage vraiment. La troisième des choses, c'est de trouver votre logement en avance. Nous, on l'a fait par internet, on n'a pas pu visiter parce qu'on ne peut pas faire un aller-retour en Australie juste pour visiter une maison. Donc c'est de s'y prendre à l'avance aussi au niveau du logement. Et la même chose, la quatrième chose qui est liée aussi, c'est tout ce qui est en rapport avec la scolarité de vos enfants, parce que les saisons sont inversées, donc forcément la scolarité n'est pas la même qu'en France, donc il faut bien s'y prendre à l'avance pour être sûr d'inscrire vos enfants au bon moment. Et la dernière des choses, c'est toute la partie administrative, tout ce qui est sécurité sociale, assurance maladie, voilà, les permis, etc. Et bien sûr, donc, ce qui est lié à ça, c'est de remettre à niveau votre anglais si vous avez besoin. Pour justement, ça va vous aider avec cette partie administrative et ça sera un petit peu plus facile que si vous ne parlez pas anglais. Eh bien, j'aimerais bien le savoir, je ne sais pas. Alors, c'est stressant oui et non, parce que ça fait maintenant de nombreuses années que ça m'arrive, donc je le prends avec un peu plus de légèreté cette fois-ci. Je me dis que toute expérience est bonne à prendre, donc il faut tirer le positif de chaque situation. Jusqu'à présent, toutes les villes que j'ai fait, j'ai gardé ça dans un coin de ma tête et je suis vraiment heureuse de toute l'expérience que j'ai pu accumuler depuis toutes ces années. Donc on verra où l'avenir nous mènera.